sa fille Manon, sa fierté. Ce dimanche 18 juin 2023, Laure Manaudou a partagé de rares photos de son aîné dans ses stories Instagram. L'occasion pour les internautes de s'apercevoir que la fille de Frédéric Bousquet a bien grandi. Le 2 avril 2010, Laure Manaudou donnait naissance à sa fille, Manon. Ce jour-là, la fillette venait chambouler à tout jamais la vie de la nageuse olympique et son ex-mari, Frédéric Bousquet. Aujourd'hui âgée de 13 ans, l'adolescente suit les pas de sa maman, mordue de sport. Seulement, elle n'est pas intéressée par les bassins, mais plutôt par les écuries. Ce dimanche 18 juin 2023, la chérie de Jérémy Frérot a partagé des photos et une vidéo de sa fille avec son cheval. Les internautes remarqueront à quel point la fille de l'ancienne nageuse est grande. D'ailleurs, même si Manon n'est visible que de profil, la ressemblance avec sa mère est indéniable. Sur une première image partagée sur les réseaux sociaux, la fille de Frédéric Bousquet est debout, de dos, le regard vers le terrain où se trouve son cheval. La mère de trois enfants qui a déserté Marseille pour la douceur du bassin d'Arcachon a ensuite partagé une vidéo de sa fille avec son cheval, en train de se promener sur l'herbe. Sur un troisième cliché, la fille de Laure Manaudou est assise sur l'herbe avec le canasson. Un tendre moment mère-fille que l'ancienne championne des bassins a tenu à partager en ce jour de fête des pères. Sa fille Manon, sa fierté Laure Manaudou peut s'estimer fière d'elle. Du haut de ses 13 ans, sa fille a elle aussi pris goût au sport. Le 19 février dernier, la nageuse a tenu à féliciter sa fille pour sa performance sportive dans une activité où elle excelle tout particulièrement, le sport équestre. Sur une publication supprimée depuis, les internautes ont pu apercevoir la chérie de Jérémy Frérot posée fièrement aux côtés de sa fille avec sa médaille en face d'un cheval. Fierté absolue, avait écrit la sœur de Florent Manaudou en guise de simple légende. Cette native de Villeurbanne se félicite d'avoir transmis le virus du sport à sa seule fille. Maman à plein temps de trois enfants, Laure Manaudou s'était entretenue sur son passage à vide à nos confrères de Brut, le 11 octobre 2022. La jeune femme de 36 ans avait confié être tombée dans une longue phase dépressive après la naissance de son dernier enfant, né en janvier 2021. J'étais fatiguée, j'étais énervée. J'avais l'impression de ne pas savoir m'occuper de mon fils, alors que ce n'était pas le premier, mais le troisième. Je me suis rendu compte que je n'étais pas bien, je voyais tout en noir, ça prenait toute la place et j'étais négative, alors qu'à la base je ne suis pas comme ça, s'était-elle souvenue. Et d'ajouter, en tout cas ce n'était vraiment pas voulu de ne prévenir personne. On n'ose pas demander et on met peut-être du temps aussi à se rendre compte que si est-il une vraie dépression parce qu'on nous bassine tout le temps avec le baby blues. Mais le baby blues ne dure pas plus de 10 jours. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de Jérémy Frérot, son phare dans toutes les tempêtes.